Bonjour à tous, amis pêcheurs, amis pêcheuses. Toute nouvelle vidéo magnifique, sûrement la plus folle de la chaîne si tout se passe bien. Aujourd'hui, on va pêcher à la ligne à main, au silure. Donc bon, je fais l'intro avant de démarrer la session pêche, sachant qu'après, je serai peut-être mouillé si je tombe sur un gros silure. Ça peut finir à l'eau, voire même pire, mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. La stratégie a été pensée et va être réalisée dans le but de sortir du silure sans se mettre à l'eau. Allez, c'est parti, on se lance avec les images, on espère du gros poisson, du gros silure au whooper plooper, ligne à main. C'est parti. Putain, la tête du bordel. Oh là là. Oh, la tête du silure qu'il y avait ici. Oh. Oh, je sais pas, on aurait pu le voir avec quelqu'un. Je sais pas si on l'a avec celle-là. Oh, la taille du bordel, toi. Moi, oh, j'ai vu que la queue, elle, ça devait faire au moins... au moins 1m50, au moins largement. Comment c'est possible? Putain, là je l'avais, gros. Putain, l'attaque de zinzin. C'est trop dur de faire un fichier avec la canne bambou. C'est trop dur. Punaise. J'ai même pas vu arriver zinzin, non, il l'avait piqué là. Ça me casse la tête. Il est arrivé comme une balle. Putain. De où je l'ai pas là? Là franchement je comprends pas. Putain. Oh le truc de fou. J'étais prêt à zinzinner là. J'étais prêt à zinzinner. Pas gros hein. Comme une balle. Voilà pour un petit récap. Pour l'instant on aura vu 3 silures, 2 petits qu'on aura fait monter jusqu'au bout et un plus gros qu'on n'aura malheureusement pas réussi à voir complètement. Il était juste à côté de moi, juste ici.
N'hésitez pas à me donner selon vous la taille qu'il faisait en commentaire. Il m'avait l'air énorme, j'ai vu une queue gigantesque. Je n'ai vu que la queue, malheureusement. Il a dû voir le flotte, une vibration qui l'a dérangé et il est parti. Le premier, j'ai voulu ferrer comme si j'avais une canne classique, donc forcément le poisson n'a pas été pris. Et le deuxième, je pensais en même temps à mettre mon gant, je sais pas pourquoi. Toujours des idées folles comme ça qui arrivent à la pêche. Du coup, deux informations à la fois, j'ai pas su traiter correctement le whooper plooper et le poisson s'est barré. On continue, on va essayer de persévérer en essayant d'avoir un petit échauffement, un petit silure de moins d'un mètre avant de toucher un plus gros. Celui qui était ici, ça aurait été chaud de le toucher, je pense. L'autre coup, l'autre vidéo, on avait eu un beau silure qui avait cassé à la tresse. Là, ce coup-ci, on est en corde directe. Résistance 200 kg, un nœud 8. Ça ne peut pas péter. Soit c'est moi qui coule, soit c'est le poisson qui contracte avec nos biceps, chers amis. Allez, c'est parti, le poisson arrive. Les gars, je suis sous le soleil et je me balade. Bisous, poisson maudit. Je vais mieux qu'à Paris. Aussi, vous êtes le vieux de Paris. Tout, tout, tout. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la 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 la. Je suis avec mes, gars, je suis sous le soleil et je me balade. Wesh, pourquoi il l'a pas pris, gros? Putain! Oh les gars! Oh non! J'ai pas la cam sur. Wesh! Wesh! Oh le truc de fou! Oh c'est quoi ça? Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie, gros. Oh la dinguerie. Oh j'ai le cœur zinzin. Putain j'avais pas la cam du haut. Putain mais quel con. De fou. Oh, il faisait combien? Oh le truc de fou. Je comprends pas pourquoi il a pas piqué. Oh, j'ai tiré. Putain j'ai tout donné. Bon j'avais au début, je vous avoue, je suis un peu chié dessus. Je voyais, je vois la taille du bordel. Pourtant après j'ai tiré comme un fou. Putain j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie dessus. Fais chier. Il ne viendra pas à cet arrêt, hein. Pourquoi il s'est décroché? Ça me casse la couille. En fait, c'est même pas accroché du tout. Putain, c'est de la merde. Allez, reviens, putain, reviens. Putain, j'ai tenu ma vie dessus. J'ai tenu ma vie dessus, putain. Bon, voilà. Au niveau résumé. On n'est pas encore à la fin de la vidéo, mais là, l'activité est en train de chuter. Il est à peu près 17h, 17h30. Le pic d'activité, pour moi, selon moi, Whooper Plooper, se situe entre 14h et 17h. On a passé le pic d'activité. On a revu un silure qui a vraiment bien pris le Whooper Plooper. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il ne se soit pas piqué. Il a vraiment lui tapé complètement le Whooper. Un peu déçu. Là, il nous reste deux batteries pour les GoPro, donc à peu près une heure de film, une heure pour valider un poisson à la canne bambou. C'est le défi qu'on va essayer de relever aujourd'hui, valider le premier poisson, le premier silure à la canne bambou. Ce serait totalement fou, tout est possible, on le sait. On va se lancer, il nous reste encore un petit peu de bordure,
des beaux bois morts. Donc tout est possible. Allez, c'est parti. Voilà, chers amis, petit outro des familles, tout simplement parce que je n'ai plus de batterie en stock. Le soleil et les surchauffes font utiliser beaucoup trop de batterie, donc c'est la fin de celle-ci. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué de ferrer un poisson avec la canne ligne main. Le dernier, pour moi, il était concrètement dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. J'aurais peut-être dû l'animer un tout petit poil plus. Pour moi, il a vraiment attrapé le triple. S'il n'a pas attrapé le trip, il a attrapé la queue du whooper, ça a glissé, c'est parti. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc vraiment terrible, le dernier silure, je ne sais pas combien il faisait. Il était vraiment énorme. J'ai vraiment donné ma vie. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai quimpé. Je n'avais pas vu concrètement ce qui arrivait de la gauche. Sachant que là, le soleil, il tape. À un moment donné, on n'est plus connecté à fond de fond sur cette pêche. Sachant que c'est une pêche très difficile. C'est très psychologique. On doit attendre, on ne voit pas grand-chose dans l'eau. Les touches sont très rares, donc là ça fait plusieurs heures de pêche sous le soleil pour au final faire capot. Donc voilà, un beau petit capot, mais un capot quand même. L'idée dans les prochaines vidéos, ça va être de valider forcément ce bambou. Là ça commence à chauffer, ça fait deux sessions qu'on fait capot avec le bambou. Donc bon, à chaque fois, ceux qui arrivent à nous prendre, c'est toujours les énormes silures. Donc là lui j'aurais pas cassé forcément, là j'aurais concrètement fini la tête à l'eau, 100%, vu la taille du silure, je pense qu'il est encore même plus gros que celui de la dernière fois. Dommage que j'avais pas la cam du haut, mais bon, c'est la vie. C'est les erreurs stratégiques qui ne me permettent pas d'avoir un meilleur clip pour vous. Mais on a au moins cette salle-ci, on voit le poisson arriver, attaque de fou, le ferrage en renversé. Mais bon, c'est pas grave, au moins on aura vu du poisson, vous avez vu de l'action, des attaques en surface de folie. J'espère que ça vous a plu, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, c'est que du bonus. Et moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine vidéo pour encore plus de folie et surtout encore plus de poissons. Allez, ciao, ciao!